Putain, il attend, t'as joué un risque. Elle va arriver, je t'ai dit, c'est une femme sérieuse. Mais ça fait une heure qu'on est là. T'es là, t'es toujours à me prendre la tête pour rien là. Vas-y, elle arrive, t'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir. C'est lui de la chaîne 88. Bonsoir, monsieur. J'ai pas eu de ça. Voilà, c'est pour le grand reportage, vous savez. Ouais. Excusez-moi du retard. Il y a un peu de retard quand même, mais c'est pas grave. On peut commencer tout de suite? Eh ben, je vais vous le faire tout de suite maintenant. Allez, TC première. Parfait. Voilà. Donc, monsieur TC, pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour acheter ce domaine, piscine, villa, plutôt camping, je pourrais dire. Camping, pour dire que je vous ai expliqué, avant de jouer en France, ben, j'ai joué en Pologne, j'ai joué en Turquie, j'ai même joué en Russie. En Russie? Vous parlez russe? Absolument, da. Parfait. Pouvez-vous me dire, monsieur Tessé, qu'est-ce que vous allez faire par la suite après le théâtre du gymnase? Ah ben après le théâtre du gymnase, c'est le tremplin. Moi, je vais taper l'Olympia et peut-être éventuellement le Stade de France. Parfait. Ah oui. Quelle merveille. Ouais, messieurs, dames, bonjour. Bonjour, monsieur. Frédéric, propriétaire du camping. Bonjour. Monsieur, bonsoir. Je vous signale qu'il est 20h30, la piscine ferme à 20h30. Donc je vais bien vouloir vous demander de quitter le camping dans 5 minutes, s'il vous plaît. Ouais, merci. Ouais, okay. On va faire 5 minutes. Vous êtes le propriétaire? Oui, du camping Célig au Muy. Tout à fait. Monsieur Tessé, vous avez un souci avec Non, mais on vous explique. C'est pas qu'un souci, c'est pas un problème. C'est que j'ai fait le déplacement quand même. Mais alors, vous comprenez au portail. C'est moi qui a couillé tout ce que l'histoire. Tu vas pas commencer à m'emmerder, moi. Messieurs, il est 20h30. Je ne te permets pas. Arrêtez, pas de prise de tête. Putain. Elle est fâchée. Je crois bien.